Comment est venue la passion du bully? C'est très simple. Hein. J'ai été face à face un jour avec un bully dans la rue. Et quand je l'ai vu, j'étais déjà fasciné par les molosses auparavant. Et quand je l'ai vu, j'ai vu un chien très athlétique, très calme, très la force tranquille. Quoi. Ça m'a fait un coup de cœur. Voilà, j'ai été passionné. Et du coup, j'ai commencé cette passion en achetant mes premiers bullies en France à une éleveuse française dans le sud de la France. Et j'ai vécu une trahison, on va dire, une trahison personnelle, parce que je pensais partir sur l'achat d'un véritable bully. Et en fait, j'étais parti sur un mariage faussé. C'est-à-dire que j'ai appris par la suite, au bout d'un an, que le chien en fait était issu d'un bulldog et d'un bully. Et sur le principe, je me suis senti trahi. Et je me suis dit, mais comment ça? Elle a mis un bully sur un bulldog. Et puis au fil du temps, je me suis aperçu qu'en fait, tous les bullies étaient issus de mix, mais que personne ne l'avait dit. Moi, j'étais éleveur de pur sang arabe pendant des années. J'étais un des plus gros éleveurs de pur sang arabe d'Europe. Donc j'ai fait de l'élevage pendant longtemps. Et le marché s'est arrêté, donc j'ai arrêté moi aussi. Et puis quand j'ai vu mon fils se prendre de plaisir pour cette passion, j'ai eu envie de l'accompagner. Je trouvais que c'était magnifique, je trouvais que c'était une belle passion. Et ça m'a rappelé un petit peu ce que j'avais fait pendant des années avec les chevaux. Et je pensais que là, on était plus proche de la réalité, parce que avec les chevaux, les prix montaient à des prix incroyables. C'était par millions d'euros. Et alors que là, ça reste quand même raisonnable, ça reste à la portée de tous, n'importe qui peut acheter un chien. Les bullies sont des chiens magnifiques. Certains, c'est des objets d'art, hein. C'est un peu comme les purs saints arabes, quoi. On dit que c'est le seul objet d'art vivant, mais là, effectivement, ces chiens-là sont extraordinaires, très musclés, très beaux. Et ça donne vraiment envie de devenir éleveur de bullies, voilà. On ne peut pas dire que le bully est une race, c'est pas une race, le gène n'est pas fixé, c'est du mix. Et après, avec les générations, on peut fixer le gène. C'est-à-dire en travaillant sur les lignées, sur ce qu'on apprécie chez le bully. Parce qu'il y a deux types de bully, il faut le savoir. Il y a le type, je vais l'appeler comme ça, bulldogué, qui est pour moi le chien qui est vraiment typé bulldog, hein, ça peut pas être plus clair, avec un nez très petit, avec des plis un peu sur le visage. Et après, il y a le côté American Bully, qui est le type terrier à mes yeux, qui est un type avec un peu plus de nez, toujours la même corpulence, toujours le même type de corps. Voilà, mais c'est la tête qui change. Moi, je dirais pas que c'est pas une race, parce que en fait, le Doberman n'est pas une race non plus. Le Doberman est un chien qui a été fabriqué. Le berger allemand est un chien qui a été fabriqué à partir d'autres animaux. Tous les chiens viennent du loup. À la base, il n'y avait pas de chien sur terre, il n'y avait que des loups. Et peu à peu, il y a des croisements qui se sont faits. Et à force de croisements, on est arrivé à établir des races, des standards. Donc je pense que le bully, c'est une race qui a été créée, effectivement, qui n'est peut-être pas encore totalement fixée, parce qu'il y a eu pas mal de croisements qui ont été faits. Mais je pense que on peut dire maintenant que c'est une race. Voilà, elle est encore peut-être encore un petit peu instable dans les divers croisements possibles. Il y en a qui mettent du bulldog, du terrier, du staff, différents chiens, différents animaux. Mais bon, malgré tout, maintenant, c'est une race connue et reconnue qu'on voit dans. C'est peut-être la race la plus qui est la plus chère, en tout cas, dans le monde entier, quoi. Yeah, yeah, I, oh.
comment nous est venue l'idée de créer un pédigré? Bah, c'est une idée déjà qu'on alimente, on va dire, depuis une dizaine d'années à peu près, hein, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y a beaucoup de polémie sur le bully. Hein, il y a des gens qui ne comprennent pas réellement qu'est-ce que c'est un bully. Ils font un amalgame de tout. Mais aujourd'hui, il faut savoir que dans le bully, ben, il y a beaucoup de gens qui trichent sur les mariages, qui trichent sur l'identité du père du chiot, par exemple. Et ça, ça crée beaucoup de mal. Alors, l'idée du registre, ben justement, c'est une idée que moi qui m'a été soumise, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle m'a été soumise, on m'a sollicité, on m'a demandé de venir parce que justement j'apporte peut-être le sérieux, la certitude que les choses vont être bien faites, que de par mon expérience dans les chevaux, peut-être un peu aussi de par ma position sociale. Mais j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante parce qu'effectivement, tout le monde sait que bah, des fois il y a des gens qui peuvent tricher et au niveau de sélection où on en est dans ce genre de chien, on ne peut pas se permettre d'avoir des chiens qui ne sont pas certifiés, quoi. Il faut être sûr des origines. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée très intéressante d'avoir ce registre certifié par un ADN et donc j'ai engagé des moyens, du temps, de l'énergie. Et je me suis rendu disponible pour créer ce registre qui me paraît indispensable aujourd'hui pour les éleveurs de bully. Aujourd'hui, voilà. L'idée pour nous, c'est d'apporter une transparence, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons créé un registre en France, on est les premiers Français avec un ADN certifié, mais qui est aussi international. Donc aujourd'hui, on préfère que l'éleveur nous dise « voilà, j'ai fait un mariage avec tel bulldog et tel bully », et derrière, je continue mes mariages intelligents. Mais je le dis, je ne mens pas. Parce que quand vous achetez un chien cher et que vous vous apercevez au bout d'un an que vous êtes attaché au chien, que vous avez partagé beaucoup de choses avec ce chien et que vous vous êtes présenté à des concours avec votre chien et que tous les autres éleveurs vous regardent et vous disent mais qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que c'est ton chien? C'est quoi? C'est un staff? C'est quoi? Et que le mec, il est persuadé que c'est un fils d'un tel. Donc c'est très dur, la déception, elle fait très mal. Voilà, donc pour les gens qui se posent la question sur ce que c'est qu'un bully ou les origines, en fait, il y a deux types de bully. Il y a les bully type terrier, qui ont le museau un petit peu long, et puis il y a les bully bulldoguais, qui ont le museau beaucoup plus court, de doigts justement, et c'est ceux qui sont issus directement du bulldog. Voilà, donc en fait, c'est tous des bully, mais le bully est comme ça, il a été fait à partir de terrier ou à partir de bulldog. C'est des bullies. Voilà, c'est tous des bullies. C'est pour ça qu'on dit Mixed Bully Kennel Club. Voilà, le MBKC, c'est ça. Et que les gens, quand ils utilisent notre pédigré, bah, ils peuvent se servir déjà de cette force d'avoir un ADN certifié, parce que tout le monde ne l'a pas. Ce n'est pas obligatoire pour les autres registres. Pour nous, ça l'est. Voilà. Vous voulez l'MBKC, il faut l'ADN de votre chien. Donc après, on peut toujours trouver des astuces pour essayer de fausser les choses. Mais aujourd'hui, on a mis une technique en place avec un système, avec un laboratoire avec qui on travaille. Et ça nous permet d'avoir, dans la généalogie, dans la génétique du moins, la même correspondance avec les parents. Donc on peut être faussé au départ, peut-être, parce qu'aujourd'hui, le bully a 20 ans. Donc dans les 20 ans, bah, ils ont pu fausser déjà depuis le départ, hein, parce que personne n'a reconnu. Mais dès le départ de la création de l'MBKC ADN certifié, on ne peut plus fausser. Voilà, il y aura une sélection, il y aura des confirmations à l'âge de 1 an pour vraiment vérifier que tous les chiens sont conformes. Nous allons organiser des concours, nous allons créer un magazine et les éleveurs qui seront dans notre registre auront des reportages qui seront faits sur leur élevage pour en faire la promotion. Voilà, donc le magazine va apporter beaucoup, va permettre aux gens d'avoir des références, connaître les bons chiens, connaître tous les chiens qui ont les étalons qui ont bien produit, connaître la production également, parce que là, c'est aussi sur la production et sur le temps qu'on peut découvrir si un chien est beau, mais produit également bien, et si l'aligné est marqué, si l'aligné est marqué, malgré la femelle qui est peut-être différente, mais le père aura marqué ou pas. Donc c'est comme ça qu'on pourra se faire une idée pour pouvoir choisir tel ou tel étalon pour la reproduction, quoi. Voilà. Donc c'est tout un métier, en fait.
Et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, parce que j'ai une expérience dans ce domaine, dans la génétique, et que je le fais avec beaucoup de sérieux. Donc, on va essayer de faire quelque chose de magnifique, voilà, qui va aider tous les éleveurs français et internationaux. Brutus est issu de... C'est un fils de Hostile, déjà. Hostile, c'est un chien qui est best in show sur tous les concours. Hein, et son père à Hostile, c'est Bolo. Donc il faut savoir que c'est un chien qui a une très grosse cote déjà aujourd'hui. Et à nos yeux, bah, nous, on a eu le coup de cœur. Voilà. Il a une très grosse morphologie, il a un cou énorme, il a un type en tête magnifique. Il a un très très gros potentiel à nos yeux et on est fan. Voilà. Donc on parle vraiment du chien issu de OJ Camp en Hollande. Hein, c'est les producteurs de ce chien-là. Ce sont de très bons partenaires et qu'on apprécie beaucoup et qui font du bon travail. Goji Wild, c'est l'une de nos productions, hein, production BDM, qui est le fils de Gojira. Donc Gojira, c'est un étalon qu'on a acheté il y a 3 ans, qui est d'une star aussi, c'est un fils de Hazard. Et on a eu la chance de récupérer de semences en congélation avec lui avant qu'il décède. Et donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir apporter encore des productions de lui. Hein, elles sont minimes, c'est certain, mais on a la chance de les avoir et aujourd'hui, on compte bien les utiliser sur des super mariages. Voilà. Et d'ailleurs, on a des partenaires un peu partout, hein, à La Réunion, en France, à l'étranger, qui sont des partenaires très sérieux et qui auront certainement un jour la chance d'avoir l'une des productions de Gojira, voilà, ou de Goji White. Voilà. Mais pour revenir à Goji White, c'est un chien qui a un très gros potentiel. Il est petit, il est trapu, il a une queue complète, des aplombs parfaits, une dentition parfaite, un type parfait. C'est un chien qui a un très gros potentiel sur nos femelles. On a des partenaires à qui on fait cadeau d'un bully. Ça devient leur chien, leur propriété. Mais on a un partenariat sur la reproduction. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est notre métier quand même. Donc, il faut le faire intelligemment parce qu'il y a une règle de déontologie qui est la règle du reproducteur. C'est-à-dire qu'on s'accorde 3-4 mariages à peu près sur une femelle reproductrice. Et après, elle est placée en retraite. Donc aujourd'hui, on préfère dire, ben voilà, on vous offre le chien, on utilise la chienne pour nos reproductions, et au bout du quota terminé, ben, la chienne vous appartient. Et elle est directement placée en retraite chez vous et avec vous. Donc ça nous permet à nous de pouvoir continuer à faire nos reproductions, parce que c'est notre métier. Et en parallèle, bah, d'aider une famille qui a envie d'avoir un bully, qui a envie d'avoir un chien d'une grosse valeur, qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'auront peut-être jamais dans leur vie. Et aujourd'hui, bah, en faisant ce partenariat-là, bah, je pense que
on s'accorde déjà du bonheur pour notre chienne, parce que du coup, on se dit, bah, elle est placée en famille, elle est avec des enfants, elle est avec tout le monde. Toujours plus valorisant d'avoir une chienne qui est en famille et qui est toujours sur le concept de la reproduction, mais en famille. Voilà. Et même pour les enfants, c'est intéressant parce qu'ils voient les chiots, ils donnent le biberon. Enfin, il y a toute une vie derrière, quoi. Voilà. On a beaucoup de familles qui se présentent à nous et qui nous font des demandes. Après, le plus dur, vu que c'est un chien de valeur et qui est très important pour nous, l'idée, c'est de le placer pas à des endroits trop loin de nous non plus. Parce que c'est pas toujours évident quand on a des mariages à faire avec. Hein, donc, il y a une complication. Mais oui, on a des demandes de gens sérieux. Donc, on étudie les cas, on étudie les profils, on étudie le lieu de vie de l'animal. Et si on estime que les gens ont toutes les qualités requises pour nous, pour accueillir l'un de nos bullies chez eux, et pour que par la suite, ils puissent être en retraite placés chez eux, bah oui, on valide. Ça peut être même sur un mâle, hein. Il n'y a pas que femelle, hein. Ça peut être pour un mâle aussi. Hein, il y a des mâles qu'on place avec des accords de saillie derrière, et que quand on a besoin de nos saillies de ce mâle-là, ben on le récupère, voilà, pour le bien-être de l'animal et pour le confort de la personne qui va l'avoir derrière. Nous vendons pas nos chiots aujourd'hui à 8 semaines. Hein, on attend une grande évolution des chiots, donc ils se vendent en général entre 5 et 6 mois, hein, parce qu'on fait beaucoup de sélection, on est très pointilleux sur la sélection. Et donc on se dit, bah, quand on va placer le chien à 6 mois, il faut pas qu'il soit, il faut qu'il ait déjà une sociabilisation, il faut déjà qu'il sache marcher en laisse, il faut qu'il ait, enfin tout ce qui fait que ça va pas être une difficulté pour nous de le replacer à 6 mois. C'est un chien super gentil, donc les enfants peuvent s'amuser avec et tout. Donc il y a beaucoup de stars, beaucoup de gens importants, des footballeurs, des artistes et tout qui ont des chiens comme ça. Voilà. Et après il faut savoir que dans le bully, plus le chien est adulte, plus il se vend cher. C'est aussi un contraste, mais c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, si un chien est vendu à 7 mois, 8 mois, 9 mois adulte, ben il est plus rapidement dans la course. Voilà. C'est-à-dire qu'il pourra faire des saillies plus rapidement que s'il était bébé, que ce sera dans un mois, dans un an. Et une femelle, c'est pareil. Plus elle est adulte, plus elle se vend cher. Parce qu'elle est tout de suite prête à faire des saillies, ou si c'est à 8 mois, ben faudra attendre qu'elle ait ses troisièmes chaleurs pour pouvoir faire les premières portées. Voilà. Je m'occupe aussi d'un centre d'hébergement pour sans-abri sur Bourg-Saint-Andéol. Et je suis vice-président bénévole de cette association. Mais en parallèle, ma profession, c'est éleveur de bully. C'est ma passion et ma profession. Aujourd'hui, on a greffé l'association pour les activités à notre élevage. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir des pensionnaires qui trouvent du plaisir à s'occuper d'animaux, qui prennent plaisir à aller les promener. Et pour nous, bah, c'est comme une thérapie parce que du coup, ils ne pensent pas à leurs problèmes, ils ne pensent pas à leur mal-être. Ils sont tous bénévoles, hein. C'est des gens qui étaient à la rue, qui aujourd'hui ont un lieu de vie, un confort de lieu de vie avec nous, hein, parce qu'on vit tous ensemble, hein, dans le même château, c'est un château classé. Et ils ont leur dortoir, il y a dortoir fille, dortoir garçon, et on s'est aperçu qu'ils prenaient vraiment plaisir à aller à l'élevage et s'occuper des animaux. Et du coup, bah, on s'est intéressé à différents profils. Et puis on a été contacté par des magistrats, juges, avocats, contrôleurs judiciaires, et qui nous ont demandé si on souhaitait s'occuper de profils qui avaient des petites peines courtes, des courtes de prison, des petites peines. Donc pour leur éviter la prison, ils viennent chez nous s'occuper des animaux, et je trouvais que c'était bien, c'était quelque chose de formidable qui pouvait nous aider, qui pouvait apporter à ces jeunes matière à réflexion, matière à se remettre en question et à trouver une passion dans la vie, parce que c'est souvent des jeunes qui manquent de repères. Aujourd'hui, il y a des jeunes, là j'ai un profil qui a 18 ans tout juste, hein, c'est un enfant, il vient d'avoir 18 ans, il a pris 12 mois de prison parce qu'il a volé un scooter sans les clés avec une personne qui l'a influencé. Ils se sont fait attraper, il a pris 12 mois de prison. Donc aujourd'hui, quand le magistrat
m'a contacté et m'a dit, voilà, il a pris 12 mois de prison, est-ce que vous acceptez qu'il fasse sa peine auprès des anges de la rue et à votre élevage pour les animaux? Donc j'ai accepté, hein, et aujourd'hui on est très fiers de voir que Bulis est prisonnier et en train de se mettre bien en place, voilà, et qu'on a plusieurs, maintenant, plusieurs profils qui ont des problèmes judiciaires comme ça, qui vivent avec nous au quotidien, qui sont encadrés au quotidien et qui ont un bon fond et qui... Et chaque jour où on les regarde en activité, on se dit, t'imagines, il devait être en prison ce mec-là.